Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors aujourd'hui, on va créer une excusez-moi, une route. On va créer une grande route qui va partir de la rocade de Lambersat qui va aller se faufiler par ici. Clac, qui va passer ici. Ici, qui va faire le Havre. Et après, on verra si on va vers Équeudreville, mais vu qu'il y a déjà la voie ferrée, ça servira un peu à rien. Par contre, venir jusqu'à Le Havre, c'est intéressant parce que Le Havre a besoin de d'outils, mais on n'a pas de on n'a pas d'usine d'outils et surtout la voie ferrée peut pas venir jusque là. Donc, en faisant partir une grande route d'ici, ça va permettre d'amener les outils de la grande route là-bas. Enfin, de là-bas. Donc, on va faire une sortie en rue. Non, pas bâtiment, en rue. C'est là-dedans. Enfin, une petite sortie ici, je pense. Et ensuite, on va. En fait, j'y ai réfléchi pendant un petit moment. Je savais pas trop comment faire pour pouvoir amener ce qu'il y avait besoin ici. Alors après, il y aurait encore 7, mais 7, je pense qu'on fera autrement. Si on trouve quelque chose, on fera autrement. Mais là, le Havre, je pense que c'est la meilleure des solutions. Hop. Donc là, on va venir longer la corniche ici. Oh, ça monte sévèrement là. Hop, et là, on va commencer à tourner. Oh la vache, ça monte. Ouais, ça monte vraiment sévèrement. Et après, en plus, ouais, non, faut qu'on aille par là, donc ouais, non, ça va pas. Ça va pas jusqu'ici. Donc en fait, grosso modo, là, faudra qu'on passe dessous, quoi. Voilà, tunnel. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Là, ça permet de ressortir à la bonne hauteur. Un petit tunnel là, pourquoi pas, ça gêne pas. Et du coup, ça va permettre aux camions, même s'ils ont une très longue distance à faire, d'aller relativement vite, quoi. Est-ce que je vais jusqu'au centre-ville ou est-ce que je... Bon, je pense qu'on va aller jusqu'au centre-ville. Là, une intersection, pourquoi pas. Alors, du coup, ça fait pas une autoroute, ça fait un peu une voie rapide, mais bon.
Ça fait une intersection là, mais c'est pas très grave. En vrai, bah là on peut monter et puis passer par-dessus la voie, je pense. Non, non, on passe pas. Pas de passage à niveau par contre. Hop. Là, on fait. Non, ça va pas. Là, c'est bon. Ok, donc on valide ça comme ça. On vient ici. On vient ici. Je serais bien tenté de supprimer N. Et qu'en fait ça devienne... Et qu'en fait elle vienne juste se raccorder sur la grande route et... Voilà. Et elle, du coup, elle viendrait juste se raccorder. Non, c'est bien celle-là. Voilà. Parfait. Ok, bah c'est good. Et donc, ce qui permettra de... Alors du coup, il faut encore rajouter. On en a déjà rajouté un la dernière fois. Ben là, on va encore en rajouter un. Alors, marchandises. Et on va rendre... Ajouter un accès routier parce que là ça commence à faire beaucoup là. Et une sortie, voilà. Est-ce qu'il y en a un qui s'est décidé à l'emprunter? Ouais, parfait, nickel. Donc, et après au Havre. Au Havre. Ah, il y a les matériaux de construction qui arrivent, c'est parfait. Au Havre, il faut du coup venir. Alors, tac. Bâtiment. Marchandises. Il faut venir desservir ici. Voilà. Et donc, nouvelle ligne. Clac. Et donc c'est C outil le Havre. Ok, C outil le Havre. Et donc on va acheter des camions. Alors, acheter véhicule. Alors, acheter véhicule. Marchandises. Là, on va prendre des camions quand même assez rapides parce que lui, il est bien mis, le K70. Et là, vu qu'on a, on achemine des outils, il faut celui-là. Qui roule à 100, c'est très bien. On va en acheter... La ligne est quand même assez longue. On va en acheter 8.
et aller sur ces outils le Havre. Voilà. Ça va pouvoir partir pour le Havre. Et donc le Havre va être desservi. Et on espère que ça va faire grandir le Havre afin que je puisse lui amener le TGV. Parce que pour l'instant on est qu'à 495 habitants, donc c'est pas assez pour amener un TGV. Même si la gare fonctionne plutôt bien, donc elle est bien chargée de pétrole brut. Saint-Jean de Maurienne, ils ont tout ce qu'il leur faut. Enfin, ils reçoivent des trucs, c'est cool. Bon, voilà, cette usine-là, faut qu'elle monte en niveau, quoi. On est qu'à niveau 1. Elle reçoit 239... Ouais, elle devrait fonctionner à 100% quoi, parce que là on lui donne tout ce qu'il lui faut. On lui donne bien tout ce qu'il lui faut, donc elle devrait fonctionner beaucoup plus. Après avec elle qui va augmenter sa demande normalement. Ceux-là ils ont besoin de combien? J'ai même pas regardé au fait. 495. Pas 495, 176. C'est le 495, c'est le nombre d'habitants. 176 outils qu'il lui faut. Donc ouais, ça peut être pas mal. Après on peut aussi faire un autre truc. C'est que vu que le Havre, il y a un grand terminal au Havre. Ah ouais, pour l'instant ils sont vides. Putain, ils sont vides, fais chier. Par contre voilà, ils sont à 100, c'est parfait. Ah, mais en même temps, ils cherchent même pas à comprendre, quoi. Ils vont direct au Havre. Ils vont direct au Havre, quoi. Je sais que le Havre, c'est beau, mais... Enfin, c'est bien, mais... Mais non, par contre, vous avez pas tous allé au Havre en même temps, quoi. Ah, ils ont vraiment tous envie d'aller au Havre, hein. Allez, demi-toi. Ah non, il veut pas. Allez, attends encore un peu. Voilà. Non. Non. Voilà, ça se déporte, c'est parfait. Non mais pourtant elle devrait produire là. Allez, produit. Bon allez, vas-y. C'est bon, tu me saoules. Et améliore automatiquement désactiver. Comme ça au moins elle va arrêter ses conneries. Et elle va produire. Elle a produit pour Lambertstadt. Ah, le Havre, ça y est, 1. Super. Et bah, de toute façon, c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle a en outil. Lui, il vient chercher des outils pour Easer, mais il n'y en a pas beaucoup.
Combien il y en a que 20... 20. C'est pas beaucoup. Non, surtout que maintenant, on lui amène quand même beaucoup plus, donc... Tu vas où, toi? Ah, c'est... Hein? Y a un blème, là. Non, pourtant non, ils sont bien censés passer bien sur le périph. Oula, c'est qui va se balader à l'intérieur là? Une machine Lambersat. Ah bah mais c'est normal ça du coup. Ouais, normalement ça devrait mieux fonctionner que ça, je pense. Hein. Bon. Il est où notre train de planche? Ah, il repart! Ah oui! Et là-bas, est-ce que ça fonctionne bien? C'est quasiment plein. Super. Et puis elle expédie que 19% de ce qu'elle produit. Donc on est plutôt pas mal, plutôt pas mal, plutôt pas mal. En vrai, on pourrait mettre un deuxième train si on voulait. Mais après, il faudrait sûrement aussi une deuxième forêt. Et puis là, je pense qu'avec 299 pour l'instant, et là, il y a sûrement un camion qui va pas tarder d'arriver. Voilà, un qui arrive avec 38. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. Clairement, il n'y a pas besoin de plus. Non, mais c'est plutôt pas mal. On est encore dans le rouge. 131 000... 100... Non, c'est ça, oui. Oui, c'est à 124 millions. Mais on va bientôt repasser dans le bleu. J'en suis convaincu. Je pense. Je crois qu'on va finir par y repasser. Enfin, j'espère en tout cas. Bon, du coup, je pense toujours à ma deuxième LGV, moi. Ouais, appelez-moi SNCF. Je pense que LGV. Ouh, c'est petit, ça. C'est petit. Alors, Lambersat 1100. Saint-Jean-de-Maurienne 840 en augmentation. Ouais, sinon on pourrait faire Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a beaucoup de monde qui voyage sur le trajet là. Cesta, Lambersat 32, Lambersat Saint-Jean-de-Maurienne 144, ok. 144 personnes qui font le trajet. Shell. Oh mais non, mais Shell de toute façon. Istres. Putain, cette ville, mais. Oh, 1813. En vrai, Istres aurait mérité aussi sa gare LGV. Hein. Oh. Je suis en train de me dire. Est-ce que. Au départ de... Attends, elle passe où, là, les GV? Elle passe là.
Est-ce qu'on pourrait pas faire une bif vers vers Istres? Parce qu'après, ouais, elle passe ici et après, elle s'éloigne de trop, quoi. Elle passe assez loin de Istres, en vrai. Ouais, à voir. Bah, vous savez quoi? Au pire, ça va être un tout petit épisode, on va s'arrêter là. Et puis, je vais réfléchir à la solution. À l'idée, là, de passer par... faire une nouvelle ESGV à Istres. Donc, qui ferait Caluire et Cuire Istres. Ça peut être une idée, je pense. Bon, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur YouTube ou Tipeee, les liens sont en description de la vidéo pour gagner une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.